Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer ce petit live spécial Blood on the Death Floor tranquillement. On va laisser les gens se connecter tranquillement. Je suis super content. Ok, on est déjà 6. Bonjour à tous. Et il y a même Dr Nico qui a déjà commencé fort en nous disant EP 5 titres pour ma part. Je n'inclus pas le remix dans sa vraie discographie. Et oui, du coup, extension d'History. Alors, Dr Nico, je te rassure. On ne va pas répondre tout de suite à la question du live comme ça. On va quand même prendre le temps de développer un peu. On va se faire une heure de live tranquillement du coup pour débattre autour de l'album Blood on the Dance Floor. Bon, c'est un live, ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire. En plus, je suis ravi des invités que j'ai ce soir avec moi pour parler de Blood on the Dance Floor. Je vais attendre encore quelques secondes le temps que les gens se connectent tranquillement. Salut Rémi, bienvenue à toi. Merci d'être là pour ce live spécial. Je suis ravi de t'accueillir. Oh, on va laisser un tout petit peu encore. Salut Melvin, bienvenue à toi. Bienvenue, je suis super content de t'accueillir. Salut Queen Elka, bienvenue. Merci d'être là. C'est super, vous arrivez tranquillement. Allez, j'attends encore une vingtaine de secondes et puis on va pas tarder à démarrer. Je vais vous présenter, bon, je vais vous les présenter, mais en réalité, vous les connaissez sûrement déjà. Donc, mes invités qui vont être là pour participer à ce live. Ça fait un petit mois que je le prépare et je suis vraiment super content parce que je pense qu'on va vraiment passer une très, très bonne soirée à parler de Blood. À défaut d'avoir des questions, c'est surtout de savoir un peu vos avis, vos retours, qu'on puisse partager autour de ça. Salut Florine, bienvenue à toi, super content de t'accueillir. Et du coup, pour parler Blood on the Dance Floor, évidemment, je me suis posé la question, qui de mieux sur ce live pour pouvoir parler de Blood. Et c'est pour ça que j'ai demandé à l'auteur du livre Book on the Dance Floor pour participer à ce live. Et je suis très heureux d'accueillir Brice Najjar. Salut bon Brice. Salut Greg. Bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation. Bah écoute, je suis ravi. Je suis vraiment super, super content que tu sois là. Pour le coup, je trouvais que tu étais totalement légitime à participer à ce live au vu du livre que tu as écrit, de toutes les personnes que tu as rencontrées du coup, qui ont bossé sur cet album. Et en plus de ça, comme ça intervient quand même dans une de tes périodes, on va dire, les plus importantes dans ta vie de fan. Ah, complètement, oui. C'est vrai que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. En fait, si je devais me remémorer toute ma vie de fan, je pense que cette période-là, cette période 96-97, c'est vraiment celle que j'ai le plus appréciée et j'ai plus vécu intensément, tu vois. Donc, bah forcément, s'il faut en parler en live, je ne fais pas souvent des lives. Hein, c'est pas un exercice que je fais régulièrement, j'aime pas. J'aime pas trop m'étaler, si tu veux, entre guillemets, mais là, quand tu m'as proposé de parler de cet album, là, je pouvais pas refuser. Bah écoute, en tout cas, je suis super content que t'aies accepté cette invitation. Et d'ailleurs, c'est en partie grâce à toi que j'ai osé demander à notre deuxième invité d'être présent ce soir. Et je suis vraiment super content de l'accueillir parce que, pour le coup, je vous parlais de légitimité. Et là, autant vous dire que mon deuxième invité est largement légitime pour parler de cette œuvre, étant donné qu'il y a participé de près et de loin, car c'est lui qui a, entre autres, créé l'affiche du film Ghost. Il a été le directeur artistique du magazine Black and White, que je pense pas besoin de vous présenter, et je suis ravi d'accueillir Christophe Boulmé. Salut Christophe ! Salut tout le monde ! Merci de m'accueillir. Bah, merci à toi, je suis super heureux que tu sois là parmi nous ce soir et je suis content du coup qu'on puisse discuter tous les trois de Blood on the Dance Floor. Alors, on va essayer évidemment d'être le plus constructif possible. Vous sur le chat, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions. Essayez de centrer vos questions évidemment autour de l'album. Si vous avez des questions plus perso pour Brice ou pour Christophe, on essaiera de se le faire plus en fin de soirée. Et évidemment, j'essaierai de vous répondre au mieux à chaque fois. On va
ce qu'on va évoquer le plus dans le live, donc évidemment, c'est un peu la singularité de cet album, parce que c'est un album qui est sorti en pleine promo de l'album précédent, History, parce qu'il est sorti en plein milieu du History Tour. Donc ça, c'est des choses qu'on va évoquer. On va évidemment parler de l'accueil de l'album, comment le public a perçu cet album. Et puis vous, Christophe et Brice, vous nous direz un petit peu vos impressions quand vous avez écouté pour la première fois l'album. Même si, Brice, quand on lit ton livre, on a déjà une petite idée. Et puis, évidemment, on reviendra un petit peu sur les chansons présentes sur l'album. Alors, je vous rassure, on se concentrera évidemment sur les 5 titres inédits. On évoquera évidemment les remixes, parce que moi, il y a quand même 2-3 remixes dont j'ai envie de parler. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer. Toi, Brice, quand l'album a été annoncé pendant le History Tour, du coup, comment tu l'as vécu, cette annonce ? Ah, bah, très bien, dans le sens où je l'ai vécu avec Black and White. C'est parce que Christophe est là, c'est juste la vérité. À l'époque, on avait toutes nos infos là-dessus. Et en fait, c'était une couverture Blood and Sword, nouvel album. Je vois ça chez le marchand de journaux quand je vais aller chercher mon Mac tous les 3 mois, quoi. Printemps 97. Et puis là, je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas possible, un nouvel album. Alors que moi, j'attendais le prochain single d'History. On était resté sur Stranger in Moscow en novembre. On arrive au printemps, on se disait, qu'est-ce que ce serait le prochain ? Et puis là, on part sur autre chose, là, carrément. Et puis du coup, j'ai tout appris avec le magazine. Et c'était le début. Alors, c'était le début de CanalSat. Je sais pas, pour les plus jeunes, à l'époque, moi, j'avais que 4 chaînes. J'avais même pas la 5 et la 6, car j'étais contre la montagne, véridique. Et j'ai commencé à découvrir MTV et MCM à cette époque, avec les débuts du satellite, en fait. Et la première fois que j'ai vu le clip, en fait, il n'y avait pas le son, j'étais dans un bar. Avant les cours, le matin, avant les cours, on se retrouvait toujours, c'était un mardi, on se retrouvait toujours à aller boire un coup avant les cours. Et là, je vois le clip qui défile, et forcément, le patron du bar n'a pas mis le son. Alors, du coup, j'ai passé ma journée à voir le clip, que les images sans la chanson. Donc, ça avait été une journée un peu longue, voilà, pour l'anecdote. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans ce projet-là, quoi. Et donc, toi, tu as vu l'annonce de l'album sur le magazine Black and White. Et ouais. Du coup, qu'est-ce que tu t'es dit ? Parce que c'est un peu ce qui revient, ce que tu expliques aussi dans ton livre, c'est que généralement, on avait une sortie d'album un peu tous les 4 ans. On était en pleine promo en plus de l'album History. Est-ce que tu t'es interrogé peut-être sur la qualité du disque, sur pourquoi maintenant Déjà, un peu surpris du timing. Après, en lisant le magazine, on m'a expliqué qu'il n'y avait que 5 titres, que c'était comme, il fallait considérer un peu comme un EP. Et donc, du coup, ça me paraissait jouable. Et forcément, on l'a pris comme une façon de promouvoir History et de relancer un peu la machine. Parce qu'il faut savoir que par rapport aux autres tournées, par exemple, au Bad Tour, Michael est parti en tournée tout de suite. Dangerous Tour, il a attendu un petit peu moins d'un an. Et pour History, il a attendu presque 15 mois pour partir en tournée en Europe de l'Est et puis en Asie. Et finalement, la tournée en Europe, elle est commencée 2 ans après la sortie de l'album, ce qui est hyper long. Donc forcément, ça peut, dans le timing, et vu que ça allait s'attaquer à l'Europe, qui est quand même un plus gros marché pour vendre des disques, qui est un peu le plus gros marché, il faut le reconnaître, de ce côté-là, il fallait relancer la machine. Hein, donc, c'est marrant parce que moi, je ne me souviens pas de ce que c'était aussi long, les dates de tournée. Ça a mis très longtemps. Hyper vite, quoi. J'ai pas de souvenir d'une attente aussi longue. Moi, pour de toute manière, pour prendre la chose à la genèse, History est déjà un ovni. History, sous son format, avec moitié compil et nouvel album, c'était déjà un ovni. Blood n'était pas du tout attendu, il nous est tombé sur le nez, on l'a bouffé parce qu'on avait faim et qu'on s'est dit, pour une fois, on ne va pas attendre 4 ans entre chaque nouveau projet. Mais c'est vrai que ça rentrait dans le contexte de sa guerre qui était quand même assez évidente, la guerre avec Sony. Donc on s'est dit, c'est quand même on est un peu dans l'épuration d'albums. On multiplie les contrats pour se débarrasser le plus vite possible du fournisseur habituel qui est Sony Music. On l'a un petit peu perçu comme ça, même si on était très content, je dirais, de vivre Blood avec ces quelques titres qui sont quand même assez. Moi, je sais que ce qui m'a le plus marqué, c'est Morphine, évidemment, mais et même des années après, puisque je me suis pas rendu compte à l'époque à quel point c'était intime comme titre, mais
Je pense qu'il y avait des choses très solides dans sa tête derrière, mais qu'il ne voulait pas réaliser avec Sony. Donc, on est dans le truc un petit peu... à la fois, j'ai envie de respecter les gens, mais en même temps, j'ai envie de me débarrasser de la chose. Donc, c'est un petit peu... c'est un ovni. Pour moi, Blood comme History sont des ovnis, de toute manière, dans sa carrière. C'est vrai que le côté traditionnel de l'album qui prenait 4 ans à être fait, etc., avec toute la pression, toute la préparation, tout le marketing derrière... Là, d'un seul coup, on enchaînait les choses et c'était un petit peu chaotique. Voilà. Là, c'est ma Ouais, toi, Christophe, tu avais appris la sortie de Blood parce que, comme tu étais, tu as été plus ou moins intégré au projet de Ghost. Est-ce que, je parle sous ton contrôle, mais il n'y avait pas de mention d'album associé au projet Ghost au moment de des conversations que tu avais eues? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, là. Alors, pardon, je vais reposer ma question. En fait, quand... C'est tard, hein, pour papy. quand Michael avait commencé à te parler de son projet Ghost pour te donner une idée de ce qu'il voulait au niveau de son affiche, à ce moment-là, il n'y avait pas de mention d'un album qui accompagnerait le film. Ah non, mais il faut remettre les choses dans le cadre. Michael ne m'a jamais parlé de Ghost pour que je lui réalise une affiche. Michael, il nous a parlé de Ghost en toute intimité. C'était bien avant que ça naisse. On était à l'entrée du George V et il nous avait raconté son projet avec énormément d'enthousiasme. Et moi, je suis parti à la maison, la tête bourrée d'idées. J'étais tellement imprégné, c'était quand même l'âge d'or pour nous. Hein, à l'époque, on travaillait vraiment, on était dans la machine. Quoi. On faisait les choses autour de lui sans arrêt, quoi, je veux dire. Et on travaillait vraiment la main dans la main. Donc moi, j'ai pris sûrement de zèle et de créativité, etc. Voilà, j'ai eu quelques idées qu'on a fait naître dans Black and White pour teaser un peu le projet. Et c'est là-dessus qu'il est tombé sur effectivement le visuel officiel que vous connaissez, puisqu'il se l'est accaparé après, je veux dire. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre, si tu veux. C'est-à-dire que bien sûr, mais au moment de cette au départ, et après, elles sont devenues officielles. D'accord. Mais au moment de cette conversation que vous aviez eue, il n'y avait pas de mention d'un album à venir? Non. Non, c'est deux projets bien distincts, Ghost et Blood. Il faut bien avoir conscience de ça. Tout à fait. Parce que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'effectivement, le soundtrack, enfin, les chansons qui sont dans le court-métrage sont dans l'album Blood. À l'époque, c'était très. Tout partait un peu dans tous les sens. Hein. Tout n'était pas très. Je ne pense pas qu'il faille aller dans les grands calculs marketing. On a fait ça pour ça, pour ça. Je pense que tout était un petit peu projeté. Et puis on fonçait dans le tas, quoi. Je veux dire, et nous, on était. Parce que forcément, on avait du Michael sans arrêt, non-stop, 24h/24. Et d'une année à l'autre, on avait des projets, ou des concerts, ou un album, ou un machin, ou une compile. On était contents, quoi. On était dans l'euphorie du truc. C'est maintenant, avec beaucoup de recul, qu'effectivement, on pourrait se dire éventuellement que Blood, c'est un album un petit peu gâché parce que trop de remix, pas forcément de très bon goût. Bon, meilleur, les remix, il n'a pas dû être très regardant parce que ce n'est pas du tout son truc, lui, les remix. Ça me paraît évident, donc c'était là pour remplir la matière. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu une envie. Après, ça ne regarde que moi, c'est mon avis. Hein. Je ne parle pas à la place de Michael, mais je pense qu'il a. Ce qui était important pour lui, c'est les titres essentiels. C'était Ghost, c'était effectivement Is It Scary, c'était Morphine, c'était les choses qui pouvaient paraître pour lui. Et Blood aussi, qui marrant. C'est marrant parce qu'à l'époque, c'est passé pour une petite bluette populaire, alors qu'en fait, Blood est un très très bon titre. Quoi. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était donc au musée Grévin. Je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai pris en pleine gueule au musée Grévin au moment de l'inauguration de la statue. Quand ils ont ouvert les rideaux, ils ont balancé Blood on the Dance Floor, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le titre, et ça a eu un impact incroyable. Quoi. Je veux dire, moi, je suis resté waouh, le titre. Quoi. Moi, contrairement à Brice, je n'avais pas vu le clip au bar. D'ailleurs, je voulais rebondir un petit peu et apporter des précisions sur ce que tu disais, Brice, pour vous dans le chat, si c'est pas clair pour vous. Quand Brice dit que Blood et Ghost sont deux projets bien distincts, en fait, il faut bien recontextualiser le fait
que Blood n'a pas été envisagé par Michael au moment de l'élaboration de Ghost. Parce que, bon, il faut savoir que dans la première version de Ghost, il n'y a que la chanson Too Bad qui existe dans le film. Et t'as Ghost en générique de fin. T'as une version antérieure de Ghost qui a été retravaillée pour les sessions de Blood. Voilà. C'est là où on voit l'évolution du projet. Exactement. Et la chanson Ghost qui arrivait en générique de fin. Et c'est ensuite quand Michael a accepté un petit peu à contre-cœur de laisser Sony distribuer son film, finalement que l'idée de créer cet album Blood on the Dance Floor en y intégrant donc ces fameuses 5 chansons inédites et en essayant d'amener une autre chanson que Ghost, en l'occurrence. On ne va pas inverser les rôles. Je ne suis pas sûr que Michael ait laissé Sony à contre-cœur. C'est plutôt l'inverse. Hein. Je veux dire, Michael, il s'est bagarré pour que Ghost existe. Ghost était déjà un projet très antérieur qui avait été abandonné pour les raisons qu'on connaît et on ne va pas revenir dessus. Qu'il tout en a fait un projet abouti. Et je peux te dire qu'à l'époque, c'est plutôt Sony qui allait reculons sur ses projets. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est Michael qui s'est bagarré pour que ça existe. Moi, de ce que j'ai vécu, de l'euphorie qu'il nous a transmis à l'entrée du Georges V, je peux te dire que c'est un projet qui lui tenait à cœur, très à cœur. Oui, tout à fait. Il me semble. Je parle sous ton contrôle, hein, Christophe, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est que Ghost était vraiment un projet très, très intimiste, même pour Michael, et très personnel qui voulait défendre. Mais il avait rencontré des difficultés pour le distribuer. Et il me semble que c'est là que c'est l'époque des compromis, si vous voulez. Dans le sens où, par exemple, on ajoute les remixes, mais c'est Sony qui veut présenter ça comme un nouvel album et pas un EP, que Michael voulait juste les 5 chansons. Mais sauf que si vous n'ajoutez pas les remixes, vous ne pouvez pas présenter ça comme un nouvel album. Voilà, c'est les premiers compromis, les premières tensions, entre guillemets, même si ça avait commencé aux sessions History. Mais voilà, ils travaillent encore ensemble, mais... C'est issu de choses quand même très, très complexes, très, très sûrement douloureuses, hein, parce que s'il y a une guerre ouverte, je veux dire, entre un artiste et je sais s'il n'est pas le seul que j'ai vu presque rabaissé, parce qu'à un moment donné, quand on est une artiste établie et qu'on vous demande de faire des maquettes ou faire vos preuves, alors que vous avez bousculé l'industrie du disque, c'est quand même un peu rabaissant, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est forcément, on ne se sent pas épaulé, on ne se sent pas... Donc forcément, tout devient un petit peu douloureux. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil, je suis désolé, il est tard. Ça devait être sûrement vraiment pas important. Mais c'est vrai que moi, de ce que j'en ai de souvenir de l'époque, c'est que vraiment, tout partait dans tous les sens, quoi, je veux dire, et plus rien ne nous étonnait. Et que Blood soit un ovni, ça ne nous étonnait pas du tout, du tout, du tout. Moi, ça ne m'a pas du tout... j'étais juste un peu blasé des remixes qui étaient merdiques mais ça, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que ça ne m'a jamais... Bien sûr. Ils ne m'ont jamais fulguré, mais j'étais quand même content, en même temps, de prendre des titres inédits et des titres très forts, quoi. Donc, on n'avait pas le recul à l'époque. Tout allait, voilà, comme ça. Je comprends, mais tu vois, ça soulève une question intéressante. Bon, même si on a la réponse, c'est est-ce que Michael avait vraiment envie de sortir ce projet tel qu'il est sorti? Et a priori, ce n'était pas le cas. Il aurait plutôt voulu le tourner vers un EP, éventuellement pour sortir que ses inédits, mais il n'avait pas l'air tellement favorable à sortir ces fameux... À la base, je pense que Michael, de toute manière, aurait voulu sortir tous ses projets comme il l'a décidé. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai toujours vu et je l'ai toujours dit. Alors, ça a toujours un peu choqué les gens parce que comme on sait que sur la fin, il était quand même plus ou moins manipulé, influencé. Enfin, mais il était en train de perdre sa bataille petit à petit. Je veux dire, après, c'était moi. Il le tenait avec des lignes contractuelles qui l'obligeaient à l'imposer. Celui que j'ai connu sur Stranger était quand même quelqu'un sans être un dictateur, était quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité sur son œuvre, sur ses envies, sur ses projets,
Et quand il décidait quelque chose, c'était lui qui décidait, c'était pas les autres. Donc c'est vrai qu'après on est rentré. Nous on a vécu un peu vers la fin des années 90, effectivement, où les choses nous échappaient. On était tellement présents, on était tellement dans le move que moi j'ai bien senti qu'on nous mettait un petit peu. On n'a pas vécu le remplacement parce que quoi qu'il arrive, on existait et qu'on était là. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de se retrouver avec quelqu'un et de lui dire, de lui apprendre que les fans sont fans de Underline, mais que ça ne fait pas partie de la soundtrack du film, parce que Sony bloquait les droits. C'est ça la réalité. Donc effectivement, je pense qu'on est rentré dans une période, après, au niveau de Blood, on est rentré dans une période faite, de, comme tu disais, de compromis, de bricolage, de ils veulent ci, mais moi je veux ça, et machin, et puis tout ça, d'être très très compliqué à gérer, très compliqué à... Et nous, on n'est pas dans le secret des dieux, donc ça ne pourra être que des hypothèses. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. À l'époque, comme OVNI, j'étais très content de l'avoir. Mais tu vois, moi, il y a un élément qui me faisait dire aussi que Michael mettait un peu Blood de côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi déjà, quand j'avais découvert Blood on the Dance Floor, j'ai pas découvert l'album tout de suite. J'avais découvert la chanson, tu sais, dans le History Volume 2, dans le DVD History Volume 2, où le clip de Blood était présent, mais remixé. La chanson était remixée. Et c'est la première fois que j'ai écouté Blood, c'était la version remixée. Et j'étais hyper surpris parce que quand j'ai eu après l'album History, je comprenais pas que Blood ne fasse pas partie de la tracklist History. Et c'est plus tard, parce que j'avais pas encore Internet et tout à ce moment-là chez moi, mais c'est plus tard du coup que j'ai appris l'existence de cet album et que par chance, bon, je l'avais trouvé à la Fnac et que j'ai pu découvrir du coup les titres sur Blood et donc la vraie version de Blood on the Dance Floor. Et je sais pas si vous vous souvenez, ça devait être en 2006 ou 2007 après l'acquittement de Michael. Michael était en studio avec Will.i.am et puis il y avait beaucoup de bruit de couloir. Je me souviens que c'était MJ France qui relayait un peu ça, qui disait que Michael préparait un nouvel album. Et il y avait des rumeurs qui disaient que le titre de l'album pourrait être Seven, considéré comme son septième album. Seulement, quand tu fais le compte, si tu inclus Blood on the Dance Floor dans sa discographie officielle, il y a déjà cet album. Donc, tu vois, je me disais, est-ce que Blood était déjà mis de côté? Et enfin, en tout cas, pas considéré comme un album à part entière aux yeux de Michael. Mais il n'y a pas à se torturer 10 ans pour comprendre que, à mon avis, Michael ne considérait pas Blood comme un vrai album. Ça me paraît évident. C'est pas personne. Personne, effectivement, c'est mi-compile de remix, c'est mi-titre. C'est venu. Ça ne ressemblait pas dans sa texture, dans son opacité, dans sa façon d'être présenté. Ça ne ressemblait pas à une sortie d'album de Michael Jackson. C'est pas historique. C'est un bonus, c'est un cadeau. Un bonus. On a tous pris ça en pleine figure. Là, Blood, Blood, moi je te dis, j'ai découvert le titre au musée Grévin et on a fait l'événement du musée Grévin. Tout ça a satellisé le fait que ça a généré des événements autour de cette sortie. Mais je ne suis pas certain que dans sa tête, à l'époque, c'était véritable. Je pense que c'était plus un objet, un objet contractuel pour faire avancer les choses et commencer à se débarrasser petit à petit des gens qui l'handicapaient à l'époque, quoi, je veux dire, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'il y a sûrement des choses qui. Le reste, c'est que de l'hypothétique. Mais dans sa réalité, je ne pense pas qu'effectivement, Michael ait jamais considéré que Blood était un vrai album. Je pense que la qualité des albums précédents est tellement parlante que de toute manière, c'est incomparable. Quand tu prends un travail abouti comme Thriller, je veux dire, et que tu ne peux pas te dire, même avec un peu de recul des théories et des hypothèses, que Blood est un album de Michael Jackson. C'est un peu... Pour moi, oui, parce que je suis content de l'avoir, mais... Disons que c'est un disque de Michael sans être un album à part entière... Comme tout le monde a soufflé, comme History a soufflé tout le monde avec son concept de moitié, toutes ses premières chansons à succès, machin, etc. Et l'autre est un album complètement neuf et complètement inédit. Tout le monde était à l'époque complètement déboussolé par ce principe. Je veux dire, c'était une grande première. Personne n'avait jamais fait ça, quoi. Je veux dire, les Bee Gees n'ont jamais sorti une moitié d'album de compilation et une autre moitié de titre totalement. Il faut quand même être
culotté pour se dire que le nouvel album va pouvoir concurrencer la compilation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'était quand même, à l'époque, c'était... Enfin, moi, personnellement, j'étais soufflé par le principe, quoi, je veux dire. Surtout que ça se vivait déjà comme une grosse suite, quoi, une suite de l'histoire, quoi. C'est pour ça que l'album History porte très bien son nom, quoi. C'est Past, Present and Future. Et là, on est vraiment dans le past pour le best-of et on est dans le présent, du coup, pour l'album History. De l'époque, c'était tout ce qui satellisait autour de Michael, c'était une petite fourmilière avec des gens. Il y a sûrement des gens qui ont dû passer dire bon bah voilà, on a sorti History, c'était marqué volume 2, faut faire un truc là parce que là volume 1, on sait pas ce que c'est. Alors on a eu une compile avec des pieds, on a eu Blood on the Dead Floor, tout le monde s'y perdait un petit peu là, je veux dire au niveau marketing, au niveau je crois que Michael... Bah comme en plus tu sais History s'appelait Book One. Tu sais, tu avais le petit libellé Book One. Oui. Finalement, Blood pourrait être Book 2, quoi. Bah, enfin, Book 2, ça a été... Ah, oula, je vois l'ému. Je vois l'ému. Vas-y, dis-nous, Brice. Non, quoi, je pense qu'il ne faut pas... Là, c'est l'interprétation. Je pense que s'il y avait un Book 2 qui était sorti, ça aurait été marqué noir sur blanc. Tu vois. C'est pour ça que j'aime pas trop intellectualiser le truc dans le sens... Non, mais attends, Brice, t'arrêtes. Le Book 2, il est sorti. Il est sorti en format compile simple. Et c'est marqué Book 2 dessus. Avec les pieds de Billie Jean en concert, je veux dire. C'est le best-of qui est réédité. Voilà. Bon, ils ont tricoté un truc comme ça, mais je ne suis pas en train de dire que c'est une décision de Michael, que c'est officiel et que c'est totalement cohérent. Non, bien sûr. Là on ne fait que des suppositions. À l'époque, c'est... Voilà, ce sont que des ovnis, que des bonus et que... Non, on a un Michael très créatif et qui se fait plaisir et qui fait de projet en projet et ça enchaîne. Et franchement, c'était que du bonheur. Moi, c'était déjà à l'époque de le voir faire aboutir Ghost contre vents et marées. Et puis c'est marrant parce qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était un projet qui avait été avorté. Enfin, peut-être que Laurent le savait. Moi, je le savais pas. Pour moi, quand il m'en a parlé au jour 5, pour moi, c'était un projet tout neuf. C'était. Je me suis dit, putain, il veut concurrencer Thriller. C'est fantastique. Je dis pas l'énergie que ça m'a donné moi quand il m'a raconté ça. Quoi, je veux dire, voilà. On a un élément important par rapport à Ghost qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il monte les marches à Cannes. Et ça. Lui qui est, je ne sais pas si c'est passé inaperçu, on l'a vu comme du marketing, on a notre avis sur Cannes, mais quand tu veux être acteur, que tu as des rêves de cinéma et que tu montes les marches à Cannes, comme toutes les grandes stars, je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué et qui lui a fait très plaisir. Alors il faut se rappeler que c'était Tarek Benamar, pendant l'année 97, son manager. Il faut reconnaître qu'il avait fait du bon boulot, parce que niveau média, entre Musée Grévin à Cannes, l'Institut Lumière, que des visites officielles. Je ne veux pas avoir l'air de crâner, mais il y a des derrière qui l'ont bien aidé. Mais ça, je suis d'accord. Grévin, très honnêtement, on en entend parler aujourd'hui, on n'existe plus, mais Grévin, ça ne serait jamais produit sans nous. D'accord. Ah, mais ça, il faut le dire. L'intervention de Laurent et de son travail et de Julien, très honnêtement, voilà. Et Cannes, je pense que Laurent et Julien étaient très impliqués dans l'événement de Cannes. Namar, c'est sympa, mais... Bon, après, par rapport au manager, je reconnais qu'il faut quand même qu'il a fait bon. Après, pour ceux qui le connaissent, dans les productions du cinéma, bon, par exemple, Les Morfalous ou plein d'autres films, ou Pirates avec Polanski, voilà, c'est quand même quelqu'un impliqué. Donc, je pense qu'il a fait jouer ses réseaux. Je pense qu'il n'a pas fait du mauvais boulot en tant que manager, même si, bien sûr, il n'y a pas qu'un noyé derrière. C'est pas moi qui vais dire le contraire sur votre boulot et tout ce que vous avez œuvré, même en coulisses. On ne sait pas forcément tout. Tu fais bien de le dire, Christophe. Mais voilà, par rapport à Ghost et toute cette actualité, voilà, je pense que par rapport à l'année 97, je pense qu'il faut bien recontextualiser tout ça et bien avoir conscience de ce que ça représente, quoi. Enfin, le fait de monter les marches, quoi. En tout cas, si on parle de Tarek Benamar, c'est vrai que c'était un contexte où il y avait beaucoup de changements, il y avait beaucoup de têtes nouvelles, il y avait beaucoup de têtes qui tombaient, des têtes qui venaient. Enfin, c'était pas très stable, tout l'environnement artistique et marketing et tout ça n'était pas... bon, moi, après, je vous dis ça aujourd'hui, alors qu'à l'époque, j'étais dans ma bulle en train de faire mes affiches rien d'autre m'intéressait, quoi, je veux dire. Mais bon, c'est avec un peu le recul, quoi, je veux dire que maintenant, D'ailleurs, Christophe, c'est intéressant que tu parles de stabilité artistique parce que, justement,
Il y a une particularité aussi par rapport à cet album, c'est que les chansons ont été finalisées, je dirais finalisées, pas entièrement enregistrées, mais finalisées aussi en Europe. Donc, quasiment en milieu de tournée. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez inédit, on va dire. Dans la... C'est ce qui rend cet album unique à part. Vas-y, Christophe. Hein ? Non, mais je disais qu'il en parlerait mieux que moi, lui, parce que... Ah, par rapport à l'Europe, alors ça commence, en gros, Sony commence à évoquer le projet à l'automne 96, que Michael est en tournée. Normalement, bon, ce qui est unique, parce que normalement, si Michael est en tournée, il faisait sa tournée et il ne cherchait pas à travailler en studio. Mais là, il se rend en Allemagne, au Dire Studio, justement. C'est à côté de Cologne, et c'est le studio où les Scorpions ont fait leurs premiers albums, ils sont bien implantés. Et Michael s'est rendu là-bas pour Ghost et pour finaliser, pour donner la version qu'on connaît en 97. Ça, c'est à l'automne 96. Donc ensuite, Michael continue sa tournée et s'arrête, s'arrête vers Noël. Et puis, dès le mois de janvier, à peine la tournée, la première partie finie, il se rend à Montreux, en Suisse, dans le studio de Queen. Voilà, et c'est là qu'il fait Blood on the Dance Floor. Il va avec Brad Buxer, et puis il commence à travailler là-dessus. C'est comme ça que Blood commence à être élaboré. Et c'est en Europe, oui, c'est à part, c'est la seule fois où Michael se rend d'Europe pour un album, un projet en studio. Donc, c'est ce qui rend cet album un peu à part aussi et spécial. Hein. C'est vrai que c'est un élément pour moi qui est un peu important dans le sens où Michael sur le sol européen, tu vois, bon, après, c'est plus de la symbolique ou de la sensibilité de sentir plus proche de nous, entre guillemets. Hein. J'intellectualise un petit peu, mais c'est quand même quelque chose qui m'a marqué quand j'ai fait les recherches, où j'ai essayé de me documenter ou par rapport à. Pour le livre, justement, c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait, pour répondre à ta question, hein, si j'y ai répondu. Hein. D'ailleurs, oui, totalement, totalement. Et puis, je pense que, justement, même ça permet un peu d'informer le chat et les gens qui regarderont le live en replay. Mmh. Mais il y a aussi une chose intéressante. Alors, tout ce que je dis là, je l'ai appris dans ton bouquin, Brice. Mais il y a une interview qui m'a particulièrement marqué. C'était l'interview de Jeff Taylor. Parce que je crois que c'est quasiment le seul remix que tu évoques dans le bouquin, c'est le remix de Scream. Absolument. Et Jeff Taylor a travaillé justement sur le remix de Scream. Et on était toujours dans ce studio en Europe. Et c'est intéressant parce que… Jeff Taylor est à Minneapolis Jeff Taylor est à Minneapolis. Oui, pardon. Il bosse pour Jamie Lewis, en fait. Donc, ça, c'est. Et ça se passe en 93 pour Is It Scary, si tu veux. Et c'est là qu'il commence. En fait, c'est pour History. Michael commence à travailler avec Jamie Lewis en 93. Et c'est Is It Scary est une chanson provenant de l'époque d'History, en fait. Voilà, pour répondre à la question. Et derrière, le remix de Scream, en fait, c'est une version alternative. C'est pas tout à fait un remix. Elle est un peu à part parce que c'est le seul remix, si tu veux, où c'est l'équipe qui a fait Scream. C'est les mêmes producteurs, équipe, c'est la même équipe, si tu veux. C'est juste une version alternative. En fait, ils ont fait 4-5 versions alternatives de Scream et Michael et Janet ont choisi la version préférée. Et ça, c'est une autre version qui n'a pas été retenue par Michael et Janet, si tu veux. C'est une version qui aurait très bien pu sortir avec la version officielle de Scream, si tu veux. C'est pour ça que ce remix est à part aussi et qu'il évoquait directement. Voilà. Mais tu vois, moi, ce qui m'avait marqué justement dans les interviews que tu as menées, c'est que tu avais aussi beaucoup de collaborateurs finalement qui enregistraient des choses, qui enregistraient des sons. J'ai plus son nom, enfin, je ne sais pas si je le dis bien, Alex Brewer. Alex Brewer, il bossait au Dire Studio en Allemagne, si tu veux. C'était le. Ouais, et lui, ce qui m'avait marqué, c'est que tu vois, ce mec-là. Il expliquait en fait qu'il enregistrait des sons pour Michael, mais il n'avait aucune idée de pour quelle chanson il le faisait, est-ce que ça allait être servi, est-ce que ça allait être... Et moi, c'est ça que je trouvais dingue, parce que dans mon imaginaire, quand tu travailles sur une chanson, tu travailles sur la chanson et tu sais pour quelle chanson tu travailles. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable de découvrir que finalement, les mecs ont l'impression de produire des petites choses qui vont servir sur les morceaux et que si j'ai bonne mémoire... Il pensait ne pas être crédité sur l'album, non, il n'avait pas trouvé son nom, et c'est un ami qui l'a appelé en lui disant « Ah, c'est incroyable, il y a tout le monde dans les crédits de l'album. » quoi. Tout à fait. Et... En fait, c'est un jeune son qui travaille au studio en Allemagne et qui, en fait, il voit Michael débarquer. Et bon, et du coup, il ne veut pas, entre guillemets, il veut pas déranger, sauf qu'ils ont besoin de 2-3 coups de tournevis par-ci par-là, ça commence comme ça.
Et puis Michael se présente, lui tend la main. Bonjour. Ah, c'est Michael. Oui, il sait quoi. Puis, et puis du coup, il commence à travailler. Il le laisse petit à petit, il lui propose de faire des choses. Et puis il assiste à la session. Et puis il programme deux, trois trucs. Et il garde le Brad garde le tout. Et après, au mixage, c'est conservé. Il est crédité. Ça se passe comme ça. Mais c'est incroyable. Moi, ça m'a vraiment marqué cette façon de travailler. Je propose des sons, je les enregistre et je sais pas du tout. Sur moi, même les artistes qui, les guitaristes ou quoi, qui disaient, j'ai fait des riffs, mais je sais pas exactement. Moi, j'ai interviewé plein de gens, ils sont incapables de dire ce qu'ils ont fait, quelles chansons ils ont jouées. C'est moi en enquêtant et en truc. J'ai trouvé telle trace, tel truc. Et des fois, j'enquête comme ça, en fait. J'ai toujours aimé essayer de m'intéresser, comprendre, essayer d'analyser les morceaux, comment ça a été fait, pourquoi, comment. Voilà, donc c'est un travail de recherche à mon niveau pas possible. Ouais. Vas-y, Christophe. Oui, c'est très médical, hein, le travail de brief. C'est passionnant. C'est passionnant de découvrir ça, de lire ça. Tu vois, c'est juste pour la culture de connaître ça. Moi, je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, c'est une très bonne transition parce que je vous propose, les garçons, qu'on aborde du coup la tracklist de l'album et qu'on parle un petit peu de comment vous avez accueilli du coup les morceaux quand vous les avez écoutés. Donc déjà Blood on the Dance Floor, donc le titre éponyme de l'album. Donc quand tu l'as découvert, ta chanson Brice. Au bar sans le son. J'avais que l'image. J'ai attendu le soir pour rentrer après le lycée et découvrir le morceau sur MTV avec le clip. Parce que le clip était sorti en avance, en fait. Et le single était sorti. Donc, c'est vraiment avec le clip que tu l'as découvert. Le clip est sorti et le single est sorti quelques jours plus tard. Et l'album est sorti un mois plus tard, en fait. Si tu veux, c'était vraiment, je dirais au mois d'avril. Hein. Quand Christophe parlait du musée Grévin, qu'il a découvert le morceau, oui, c'est le single est sorti à ce moment-là, exactement. En fait, voilà. Donc, alors après. Moi, j'avais beaucoup aimé. Après, j'avais conscience que c'était Pog Dangerous et que ça n'avait pas été beaucoup retravaillé. En fait, ce qui s'est passé, ils ont retravaillé la chanson en Suisse dans le sens que, si tu veux, Michael avait perdu les pistes. Parce que le truc à ne pas faire, c'est de confier quelque chose à Michael parce qu'il le perdait tout le temps. Et ça, j'ai eu de nombreux collaborateurs qui m'ont raconté ça. Ne jamais confier quelque chose à Michael, c'était perdu dans la minute. Et du coup, alors, ils avaient juste un CD. Et en fait, Brad Buxer a écouté le CD. Et elle a refait toutes les pistes tout seul, piste par piste. Et elle les a remis pour pouvoir refaire un mixage et refaire les pistes, en fait. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés à Montreux pour ça, quoi, avec un CD de la version de Teddy Riley. Et après, Brad a tout refait, mais tel quel, comme il a recréé toutes les pistes lui-même, mais comme elles étaient sur le CD, en fait, mais qui datait de Dangerous, voilà, pour la petite histoire. Ok. Ouais, c'est super cool comme anecdote. Et toi, Christophe, du coup, tu disais que tu l'avais découvert au musée Grévin, mais c'était dans quel contexte? C'était vraiment diffusé en mode on va vous faire écouter le nouveau titre de Michael, ou c'était diffusé au milieu de l'inauguration? Non, c'était pas une première écoute. C'est-à-dire que on était à la cérémonie, on était tous installés, Michael arrive, s'installe, il ouvre le rideau sur la statue, et là, blam, il balance Blood on the Dance Floor en fond de musique, quoi. Tu vois, et moi je l'ai découvert à ce moment-là. Après, à l'époque, je vais être très honnête avec vous, moi je ne peux pas être aussi médical, parce que moi à l'époque j'étais dans Black and White, dans les crayons, dans d'autres magazines, dans trucs, ça, dans les projets. Tout arrivait très très vite, c'était une mouvance perpétuelle, et je n'ai pas de souvenir en particulier où on m'a remis l'album. Je pense que j'ai dû l'acheter comme tout le monde à Virgin, et j'ai fait une écoute comme ça, distraite. Je suis revenu plus tard. Mais j'ai quelques souvenirs précis. Blood, j'ai un très très un souvenir très précis de l'impact que ça a eu sur moi à Grévin. Surtout quand les basses, elles en a plein les oreilles avec tout ce contexte un peu particulier. Phil Winter qui était à ma droite et qui faisait la gueule. Le mime Marceau qui était là et qui faisait son show habituel, et cette statue qui était totalement ratée avec un Michael qui était très très bon à loi, qui caffait comme si c'était merveilleux.
C'était bizarre. En fait, je suis tellement d'accord avec toi, je n'ai jamais trouvé que la statue au musée Grévin était. Honnête, était hyper donné, ouais, moi, je veux bien, c'est Michael, il ne faut pas y toucher. Tout ce qu'il a fait. Non, mais là, il n'est pas responsable. Mais très honnêtement, moi, je me souviens du choc que j'ai eu quand les rideaux sont ouverts. Je me suis dit, mais c'est quoi cette horreur, quoi? C'est juste. Les seuls trucs qui lui ressemblent, c'est les fringues qu'il a données. Parce que le reste, c'est. Même les cheveux, ça ne collait pas, quoi. Je veux dire, c'était. Encore, ce n'est pas des fringues qu'on l'a vu porter beaucoup, quoi. Non, une fois. Voilà. Mais bon, c'est bien son style et on le reconnaît bien et c'est la qualité de son vêtement. Mais le reste, il faut être honnête, c'est pas. Voilà, bon, je veux dire, ça reste mon avis personnel. Hein. Il y a plein de gens qui peuvent la trouver fantastique, cette statue. Moi, je me souviens très bien que j'ai eu un choc. Je me suis dit, c'est pas à la hauteur. Pas à la hauteur de l'événement, pas à la hauteur du cadeau qu'on était en train de leur faire, c'est-à-dire de remettre le musée au goût du jour, comme ça, je veux dire, en faisant venir Michael Jackson. J'avais un peu l'impression qu'on se foutait de sa gueule, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est un peu. Alors. Je ne suis pas en train de dire que c'était leur intention, etc. On peut. Se louper, quoi. Non, mais il y a eu un loupé. Il y a eu un loupé sur l'exécution de la statue, quoi. Ils ont mis les petits plats dans les grands quand même. Bon, ils ont fait venir le mime Marceau. On a vécu une belle journée. Il y avait plein de gens dehors. C'était super, super dynamique. Michael était sûrement très content de cette journée et très. Et à visiter un endroit magique, parce que ça reste magique, le musée Grévin. Je ne suis pas en train de remettre le musée en cause. Hein. Bien sûr. Complètement magique. Mais donc là-dessus, avec tout ce stress, machin, tu te prends Blood on the Dance Floor que tu connais à peine, vraiment à peine, mais là que tu te bouges, là, oui, c'est vrai que ça m'a. Voilà. Les autres, je n'ai pas un souvenir précis d'impact, à part Morphine, où c'était. Mais bon, là, c'est trop personnel, je ne vais pas y rentrer dedans. On va l'évoquer, Morphine, juste après. Hein. On va l'évoquer. Voilà, donc, voilà. Voilà pour Blood. Okay. Alors, moi, bon, Blood, je vous ai expliqué du coup comment je l'avais découvert, mais moi, je me souviens que quand j'ai écouté la première fois la version originale du coup du titre, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était sur la ligne de basse. Ça me faisait extrêmement penser, vous savez, à Last Night, The DJ Saved My Life. Quand ça fait le doom, doom, ah doom, bon doom, 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 doom. Je t'assure. Et je voyais le truc de Last Night, The DJ Saved My Life. Et c'est vrai que je fais souvent l'association un peu des deux morceaux, mais c'est vrai que j'avais beaucoup, par contre, le clip vidéo en tête parce que je pense qu'il y a beaucoup de chansons qui m'ont surtout frappé par la partie visuelle du truc. Et Blood on the Dance Floor, quand elle passe en aléatoire, quand je joue les morceaux de Michael, je prends énormément, mais énormément de plaisir à l'écouter. Et du coup, donc en deuxième titre, parce que là, sur le chat, vous en parlez beaucoup, donc la chanson Morphine. Donc la chanson Morphine, c'est vrai qu'elle ressort beaucoup à travers les fans. C'est une chanson qui est extrêmement appréciée. Alors, moi, je vais être un peu dur avec le morceau. Mais en fait la première écoute que j'ai eu une Morphine, mais la première écoute, si tu veux, j'avais aucun recul du sujet qui était abordé dans la chanson, mais j'ai pas apprécié la mélodie, j'ai pas apprécié la musique. Il y a beaucoup de chansons, c'est vrai que... moi je me souviens de la première fois que j'ai entendu Jam, je détestais. Vraiment, ouais, c'est quoi ce truc là, on dirait qu'il vomit, enfin, et puis le son était quand même brutal et tout ça. Et le jour où je l'ai pris en pleine gueule au Dangerous Tour, quand la première fois que je l'ai pris, je pouvais plus me passer de cette chanson, quoi. Sur Jam, c'est un truc incontournable pour moi, c'est un truc qui me booste, et ça souvent, Morphine, c'est une chanson que j'ai rejetée au départ. Parce que mais je pense que dans sa dramaturgie, dans son écriture, c'est quelque chose d'assez irritant, violent, assez épicé. À la première écoute, c'est pas une chanson facile. C'est vraiment pas une chanson simple. Mais c'est exactement ça. Et le truc qui te brise en mille morceaux, c'est le break où il chante comme un petit enfant blessé. Oui. Là, c'est ce que évoquait sur le chat, c'est ce que évoquait Stéphane, le moment où relax et que il y a ce moment de détente. Mais c'est vrai que quand tu prends le temps d'écouter les paroles de Morphine, ce petit moment, et moi je le prends comme ça encore aujourd'hui, pour que ce petit moment soit sublime, il a fallu que tout le début de la chanson soit dur à entendre.
Je pense qu'il l'a conçu comme ça. Et oui, mais totalement, mais un peu comme il avait fait pour They Don't Care About Us, où il voulait un son un peu dérangeant pour jouer justement sur la brutalité. Et je suis totalement d'accord avec toi, Christophe. Je pense que c'est exactement ce qu'il a voulu faire sur Morphine en mettant des sons dérangeants. Mais ça, c'est très personnel, c'est très subjectif et c'est de la lecture que je fais. Donc, évidemment, toute opinion est bonne à prendre, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où quand tu écoutes Morphine, tu sens que il était parti aussi dans cette idée d'avoir des bruits dérangeants, de comprendre la brutalité de cette addiction qu'il avait. Et c'est vrai qu'elle est pas évidente à écouter comme chanson, mais par contre, c'est vrai que quand tu prends le temps de décomposer le propos de la chanson, c'est sublime. Maintenant qu'on en prend tout son sens, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'audace. C'est pas une bluette populaire comme peut l'être Blood. Blood, c'est la petite chanson que tu te mets dans la bagnole pour te motiver le matin et que tu vas au travail et que ça te remonte le moral. Morphine, c'est une pièce d'art. Morphine, c'est pour moi, hein, c'est mon avis personnel, pour moi, c'est ce qu'il a réussi à faire de mieux quand il a oublié, il a mis de côté tous ces fantasques presque hollywoodiens de mise en scène, comme il a pu avoir sur Shy Hood, ou des très grandes chansons, mais qui sont quand même un peu, je veux dire, dans le cadre un petit peu comédie musicale, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est une vraie césure rock, il y a vraiment quelque chose de très agressif qui va donner cette petite partie de la chanson qui va te péter la gueule parce qu'on a l'impression qu'on fout à poil. Là, à ce moment-là, il se fout à poil. Et ça reste pour moi un vrai bijou, quoi, je veux dire. Alors, c'est vrai que ça, à l'écoute, si tu l'écoutes de façon, distraite, comme t'écoutes les trois quarts de ta musique, moi, je l'écoute comme un morceau de Prokofiev, cette chanson. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut rentrer dedans. Il faut s'en imprégner, quoi, je dirais. Et là, tu la prends en pleine figure. Et c'est vraiment… Oui, il y a une belle lecture à faire sur cette chanson. Ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment un truc très audacieux qu'il a fait. Et je comprends que ça ne soit pas… Et il a fait d'autres chansons très audacieuses aussi qui ne sont pas du tout populaires. bien sûr. Mais c'est un vrai bijou, celle-là. C'est vraiment… Et puis bon, maintenant, évidemment, quand on en prend toute l'ampleur avec l'histoire et tout ça, avec l'avenir, c'est dur, quoi. C'est super dur à écouter. Ouais. Toi aussi, Brice, t'as un affect avec cette chanson, il me semble. Alors, dans les premiers temps, la première écoute, il a fallu du temps. Il a fallu l'écouter plusieurs fois pour un peu comprendre. C'est un peu comme une baffe dans la gueule et qu'on essaie de réaliser ce qui nous arrive. Et finalement, avec le temps et en comprenant qu'il est autobiographique, un peu comme Stranger in Moscow, mais il va encore plus loin. Parce que déjà, sur History et Stranger in Moscow, c'était déjà ouvert. Il a fait un truc très autobiographique, très puissant. Et là, c'est encore le cran au-dessus dans le sens où il va carrément parler de son addiction. Et en fait, c'est comme un narrateur, si tu veux, qui raconte une histoire. C'est comme une chanson concept, un concept de chanson où il te raconte une histoire du début à la fin, où tu as le pont avec le piano qui te permet d'être sous la morphine, justement, et de comprendre ce qu'il endure. Parce qu'en fait, trois quarts de la chanson, c'est une souffrance, tu vois. Et l'effet illusoire de la drogue, qui est très limité, qui ne dure que très peu de temps dans la chanson, c'est pour nous faire comprendre que la drogue... ou l'effet médicamenteux, si tu veux, va pas durer dans le temps et il va retomber dans son addiction et les souffrances. Et en fait, c'est comme des coups de marteau dans son cerveau, si tu veux. C'est un peu l'image que je ressens quand j'écoute ça et comment je l'interprète. Ben, je pense que c'est ce qu'il a voulu. Ah oui, c'est totalement ça. Il avait commencé à travailler dessus sur History, si tu veux. C'est pas conçu comme un tube, c'est pas conçu comme un hit, c'est pas conçu comme un truc dans le marbre, et c'est une chanson qui vieillira jamais. Je veux dire, les sons sont trop atypiques, le concept est trop atypique, et c'est presque symphonique, quoi. Je veux dire, même si c'est agressif au niveau guitare et tout ça, c'est presque symphonique. Et je pense que c'est vraiment C'est intéressant en plus. Un ovni, donc ça peut être un ovni, et c'est un ovni, quoi. Je veux dire, voilà, moi je pense que. Mais en plus, ce que tu disais, Christophe, c'est intéressant de noter qu'il a fait le choix en plus de la mettre juste après Blood, quoi. Donc, est-ce que tu disais, t'écoutes Blood pour te mettre en joie dans la voiture et bim, t'enchaînes sur un morphine qui te glace le sang, quoi. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait une volonté marketing et intellectuelle de placement de chansons, de choses comme ça. Je sais pas, ce serait présomptueux de le dire, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir ce contraste de deux morceaux. De toute manière, il y a déjà un tel désordre dans cet album, entre guillemets. Il y a
de mettre des remixes qui étaient quand même c'est basiquement commercial. Bon, voilà, le son de l'époque qui est très mal vieilli. Et puis, une chanson de Michael est déjà tellement aboutie que le remix en lui-même. Moi, j'aime bien. Moi, j'adore les remixes. Hein. Attention, parce que là, j'en connais d'autres qui vont me faire dire que Boulmé n'aime pas les remixes. Moi, j'adore les remixes. Les gamins, aujourd'hui, ils font des trucs absolument géniaux. Mais je veux dire, un nouvel album de Michael avec ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, tu vois ce que je veux dire. Sur un single en bonus, quoi, je veux dire, parce qu'on a acheté un single 25 euros. Si on a deux, trois titres un peu bidouillés, un peu commercial, un peu boîte de nuit, c'est super sympa. Je préférais les versions a cappella, je préférais les versions instrumentales, je préférais ces trucs-là, quoi, les de la grande époque de Bad. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'il y ait un choix intellectuel de positionnement dans Blood qui était quand même un peu. Je suis juste reconnaissant qu'il nous ait offert cette chanson. Je vais rebondir sur le commentaire de Choupo, c'est intéressant. La petite voix You Don't Hear What the Doctor Say, c'est bien de Elephant Man, en fait. C'est un sample du film Elephant Man, pour ceux qui connaissent le film et qui. Et Michael adorait ce film, et ça me fait penser à cette anecdote. Un triple clin d'œil de sa part, dans le sens de la chanson, puis du fait de la rumeur des années avant. Enfin, c'est tout est lié, mais voilà. C'est croisé dans le clip de Leave Me Alone, tout à fait. Exactement, aussi, oui, voilà. Voilà. Merci Chuck, pour de rappeler ce petit détail. Et sinon, oui, Morphine a bien été répété quelques heures avant le concert de Lyon, History Tour, par le groupe, mais c'était juste pour répéter, hein. Ça, j'ai posé la question à Brad Buxer et c'était juste pour le plaisir de la jouer pour le groupe même. Ça n'a jamais été envisagé de jouer en live pendant la tournée, malheureusement. Même si ça aurait été puissant, mais je ne sais pas ce que ça aurait pu donner en live. Est-ce que vraiment ça aurait été puissant, Morphine, en live? Parce que je suis d'accord avec Christophe pour dire que c'est un morceau qui est là pour déranger. Mmh. Est-ce que vraiment il aurait sa place dans un concert? Je suis pas. Non, ça n'a jamais été envisagé. Hein. Donc, voilà. Le groupe l'a répété, mais attention, c'est le groupe qui. Ouais, c'est le groupe qui voulait la jouer, parce que Brad adore est très fier de Morphine. Chaque fois qu'il en parle, qu'on lui pose des questions sur Morphine, il avait forcément c'est Brad qui joue du piano sur l'interlude. Et d'ailleurs, il a fait une petite erreur. En fait, si vous écoutez bien la fin de l'interlude, ses doigts glissent un peu et en fait, il y a une petite erreur il y a une fausse note en fait. Et il a voulu la refaire, mais il a dit non, c'est génial, c'est parfait, c'est humain, c'est cette chanson, c'est humain, tu ne touches pas rien. Tu vois, je ne la connaissais pas cette anecdote, ben, je suis pas étonné. Voilà, il a dit non, laisse comme ça, c'est parfait, t'es trompé. Génial. On l'a fait comme ça. Il y a une vraie... Sur cet interlude, il y a une vraie déchirure et je pense que ça lui donne un côté authentique. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est l'espèce de chose qu'il a essayé, qu'il a tâté un peu dans cette chanson de la petite fille, là. Merde, comment elle s'appelle Little Susie. Qui commence de façon très lyrique, très symphonique, avec des voix, un orchestre, etc. Et puis avec des trucs un peu, des bruits un peu atypiques, une horloge un peu fantastique. Enfin, tu vois, des trucs qu'il a vraiment... Là, je trouve que c'est vraiment la chanson la plus personnelle qu'il a mis en scène. Et ça se ressent, quoi. Je veux dire, c'est brut, parce que c'est tout le début est déchirant et presque inaudible. Je veux dire, ça te rentre dans le truc, ça... Et paf, là... Il se met à poil et avec ses petites imperfections qu'il a persécutées toute sa vie. Ça symbolise le lâcher prise. Et je suis pas du tout étonné de ça. Mais je la connaissais pas l'anecdote. Ouais. C'est une belle anecdote. Non, elle est cool l'anecdote sur Brad Buxer. Ouais. Ouais, c'est génial. Les garçons, on va enchaîner sur la chanson d'après, la chanson qui était Superfly Sister. Ouais. Alors, Superfly Sister qui a été travaillée pour les sessions à la base de l'album Dangerous et qui, sur les paroles, qui fait un peu écho à ce qu'il a vécu avec sa sœur Latoya, finalement. C'est ce que j'avais interprété. C'est une lecture. C'est moi qui le dis. On le précise bien. C'est une interprétation. C'est une lecture. Ce n'est pas une info officielle. Mais finalement, ça fait quand même sens cette lecture par rapport au propos de la chanson, parce que c'est vrai que Latoya. Bon, on ne va pas revenir sur l'affaire évidemment, mais Latoya s'était quand même vachement détaché de la famille. En enfonçant un petit peu Michael, et il y avait ce côté un peu incompréhensif d'influence sous l'emprise de son mari. Voilà, il faut préciser quand même. Voilà, l'influence d'un mari, on avait des notions un peu pervers narcissiques. Enfin,
des problèmes de violence conjugale, etc. Et Superfly Sister frôle un petit peu cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas associer un petit peu la période où la chanson a été fabriquée et cet événement. On pourrait l'interpréter comme une chanson minime ou moins bonne que les autres, si tu veux, dans le sens où, objectivement, c'est une bonne chanson, c'est la bonne chanson de l'album, à mes yeux, la moins intéressante. Par contre, si tu creuses un peu, il y a quand même une sombritude qui colle au thème de l'album par rapport à sa sœur et la déchirure de l'avoir célébrée. Enfin, il était quand même assez proche d'elle. C'est les deux dernières parties de la maison. Peut-être pour l'anecdote, a passé bientôt 30 ans, les deux petits derniers qui restaient chez papa et maman. Voilà. Ils ont ça en commun. Alors, tout le monde, ils sont tous précipités à se marier, si tu veux. Donc, Michael et Latoya, qui restaient à la maison comme ça, ils ont ça en commun. Et donc, ils sont restés proches longtemps. D'ailleurs, elle est encore dans les clips de Zoé McPhil. Enfin, voilà. Donc, ouais, après, exactement. Donc, le cordon a été coupé violemment, si tu veux. Donc, je pense que ça, même s'il n'a jamais vraiment parlé, je pense que c'est quand même quelque chose, une blessure qui peut se résumer avec cette chanson. Et donc, ça collera au thème sombre de l'album, en fait. Bon, c'est comme ça que je le vois. Ouais, peut-être. Alors après, tu vois, quand tu dis que c'est la chanson la moins puissante de l'album, je ne suis pas forcément d'accord. Ah, ça, c'est la mienne. Non, bien sûr. Alors, encore une fois, tout ce qu'on dit là nous appartient et c'est subjectif et l'art est subjectif de toute façon. Je vais ajouter que je suis pas fan. Excuse-moi, je vais juste ajouter que je suis pas très fan des chansons de Brian Loren, en fait. Je suis pas du tout fan de ses productions et je comprends qu'il n'ait pas été conservé pour Dead Jaws, si tu veux. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée. Voilà. Enfin, moi, de l'époque, c'est une chanson qui était là pour coller très à la mode, très dans la move. C'était très Black Ghetto, East Coast, machin. Enfin, et au final de cette chanson, il reste une espèce de banalité, je veux dire, qui ne m'a jamais accroché. Voilà. Ça officialise Brian Loren, si tu veux, mais... Je la réécouterai peut-être récemment et je la découvrirai peut-être autrement, mais c'est vrai que c'est une chanson, je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai rarement très écouté. Quoi. Je comprends qu'il est Brian Loren et pas soit pas resté sur Dangerous, par exemple, tu vois, je pense que... L'album n'aurait pas été aussi bon s'il était resté. Et voilà. Donc là, on a un échantillon de ce qui a été fait à l'époque. Donc c'est un peu une pièce historique, voilà, sur un support officiel. Une chanson de Brian Loren sur un support officiel. Voilà. Qu'est-ce que c'est, une panthère? Ouais, c'est une panthère, ouais. Non, c'est un chien. Les miens sont dissipés aussi. Hein. Il y en a un qui arrête pas de piffer là. Je suis en train de parler avec des gens. Bah écoute, moi, Superfly Sister, je suis d'accord avec vous, ça y est, pour le perdre. Que en termes de popularité, c'est pas la chanson qui ressort le plus, ça c'est évident. Mais vous m'entendez? Attends, oui, ça s'accorde, c'est bon. Okay. À mon avis, non, c'est peut-être la puce, je sais pas. mon petit Vincent, j'ai vu ton commentaire. Bisous, Vincent. Donc, je vous disais, Superfly Sister, oui, c'est une chanson, c'est vrai que une des moins populaires qui ressort le moins dans les discussions. Mais moi, Superfly Sister, j'ai une ambivalence avec cette chanson parce que autant les couplets, tu as l'impression qu'ils n'ont pas été retravaillés, qu'il manque un truc, il manque une saveur sur les couplets où tu as quand même une voix très basse, qui manque un peu d'enthousiasme. Mais par contre, je trouve que tu as un petit refrain assez sympa, assez entraînant et qui peut te rester dans la tête. Et moi, je sais que, tu vois, Superfly Sister, c'est une chanson, des fois, que je vais mettre quand je suis en train de faire un truc et que j'ai envie de me mettre une chanson en fond. Voilà. Ben, les bluettes, je veux dire, les bluettes, tout est relatif. Ça rejoint pour moi, cette chanson a été conçue basiquement commerciale, quoi, tu vois ce que je veux dire, pour coller à une certaine mouvance de l'époque, une certaine mode, et j'ai vu pas mal de gamins se l'approprier parce que ça allait dans leur attitude, c'est une attitude culturelle, cette chanson. C'est pas un tube, c'est pas un truc abouti, on dirait presque une commande, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, elle m'a même de l'époque, elle m'a jamais vraiment fracassé, quoi. Si j'écoute Blood dans la voiture, je vais pas la zapper. Je vais l'écouter. Je vais l'écouter fort. Ça va pas me déranger. Je dis pas que je vais pas apprécier le moment, mais objectivement, par rapport au reste, je sais qu'elle est moins bonne. Après, je vais pas la zapper. Si tu veux, je vais l'écouter. Ça va pas me déranger. Je vais apprécier. Mais écoute Blood au bar, alors tu vas pas la zapper. Non. Là, faut pas trop dire d'anecdotes. Après, tout ce que tu dis est retenu contre toi. Allez, pas inviter Boulmé, hein. Ah bah.
Ok, ça marche. N'hésitez pas à nous dire sur le chat ce que vous pensez de Superfly Sister. Bon, écoutez, on va passer à la chanson d'après. Bon, là, une des chansons les plus emblématiques et là, pour le coup, qui revient beaucoup en termes de notoriété, la chanson Ghost. La chanson Ghost, qui là, pour coup, a son lien direct avec le film. Je ne considère pas non plus encore comme une chanson facile, Ghost. Le son est très, très acide, mais il y a une vraie volonté de créa. Tu vois, je veux dire, il y a une vraie. Et quand on la voit mise en scène, ça fait son travail. Ça n'a pas été aussi efficace que Jam. Jam qui a été une vraie claque à l'époque. Jam, vraiment le son de Jam quand on l'a pris, la façon de chanter, l'orchestration et tout ça, c'était qu'est-ce qui se passe ? Et on n'a pas eu cet impact-là, mais ça reste quand même une chanson très structurée, très pensée, et qui vraiment s'adopte, s'apprivoise au fur et à mesure dans le temps. C'est pas un truc que tu paf, ah, oh, magique. Non, mais tu vois, Ghost, elle a une ambiance absolument incroyable. Et tout à l'heure, Christophe, tu parlais de successeur de Thriller. Et je trouve, en termes de thématique, toujours que Ghost succède extrêmement bien Thriller parce que tu as vraiment cette construction. On t'amène dans cette ambiance un peu morose avec les bruits de fantômes. Et en plus, quand il y a une démo qui a une version opéra en introduction. Du titre aussi qui donne un truc assez particulier, mais t'as vraiment une ambiance sur Ghost et même sur les chœurs. Moi les chœurs de la chanson Ghost, je les trouve absolument sublimes parce que t'as vraiment cet esprit d'esprit de fond, tu vois, qui viennent accentuer ce que Michael essaye de dire, et surtout que on parle de notions de jalousie, de choses comme ça, donc tu sens qu'on aborde une thématique quand même qui lui est très propre, et surtout dans un contexte où beaucoup ont essayé de le détruire, quoi, littéralement. Donc c'était vraiment le titre hyper approprié. Comment je pourrais dire ça sans blesser les gens, mais je trouve que c'est une période qui est un peu gâchée pour lui parce qu'il était en pleine émancipation, c'est-à-dire que tout se mélangeait super bien, c'est-à-dire sa vie personnelle, sa volonté artistique, sa volonté commerciale, parce que c'était aussi un homme d'affaires, il ne faut pas se voiler la face, mais bien sûr. Tout sort, mais il n'était pas suivi derrière, quoi. Ça patinait, quoi, je veux dire, il avait des idées démesurées qui faisaient peur à tout le monde, et je pense que tout le monde a pris un peu la fuite parce que ça reste la plus grande pop star de la planète, donc forcément la plus grande pop star de la planète qui a des idées démesurées, ça fait peur, quoi, je veux dire, tu vois, alors qu'en fait nous on a toujours eu à faire à un gars qui nous a ouvert ses portes, qui a vu qu'on avait des choses à dire et qui nous a jamais fait aucun caprice de star, aucun truc de diva, au contraire, il nous a toujours facilité la vie. Je veux dire, donc toutes ces contradictions-là, on les retrouve un peu dans ces chansons-là, c'est-à-dire que c'est très structuré, c'est très pensé, ça n'a pas autant d'impact commercial que les... Moi, je la comparais peut-être pas à Thriller, parce que Thriller, c'est carré, c'est propre, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est une machine bien huilée, avec les gag stars qu'il faut, les instrumentistes qu'il faut, pas une note de plus. God, c'est un petit peu plus, ça va plus en profondeur au niveau sonore, ça te demande un peu plus d'effort, je veux dire, tu vois, d'écoute et de... Ben moi, je le prends comme si c'est mon avis personnel, encore une fois. C'est pas un avis d'expert. Non, mais de toute façon, on est là pour évoquer, encore, moi, je suis pas du tout un expert de la musique et... On évoque évidemment nos avis d'amateurs et de comment on a appris le truc, parce que c'est vrai que je parlais de successeur de Thriller, les deux morceaux ont une ambiance qui est totalement différente, arrivée dans une décennie totalement différente avec un Michael différent, là où dans Thriller il respire la fraîcheur, la jeunesse et le besoin de découvrir quelque chose, tandis que dans Ghost on est plus dans un esprit de dénonciation et de vraie douleur, de vraie douleur intérieure, quoi. Enfin, en tout cas c'est la lecture que j'en fais. Donc, complètement. On est resté. Enfin, moi, je sais qu'on s'est beaucoup fait la réflexion à l'époque quand Ghost est sorti et que c'était. ça nous a toujours terrifié qu'on essaye de comparer Ghost à Thriller. Parce que c'était dans la continuité. C'est-à-dire qu'on n'était plus avec les zombies, mais maintenant, on était avec des fantômes. Sur la thématique, bien sûr. Et dans la même volonté artistique d'être un peu dans le train fantôme et dans la magie. Associé à un court métrage aussi, tu vois. Je pense que ça. Et voilà. Et sur la comparaison.
c'était encore, même à l'époque, c'était encore déjà. À l'époque de Thriller, c'était plus que culotté, c'était du génie. À l'époque de Ghost, c'était culotté parce que personne ne faisait ça, personne ne faisait des mini-films, quoi. Je veux dire, tu vois, c'était carrément un mini-film, quoi. C'est. Puis voilà, quoi. Mais quelle belle période! Oui. On a quand même sorti le premier collector français. Oh non, c'est vrai. Le premier collector, ouais, le box set de Ghost, là, vous voyez, ah ouais, juste là. Moi, je le dis ça, mais je pense que vous le connaissez tous dans le chat, mais comprenez bien que c'est grâce à l'équipe de Black and White que ce coffret existe, qu'on a eu droit à On the Line. Je pense On the Line, on va être obligé quand même de l'évoquer, même s'il n'est pas dans l'album. Je fais partie de la même période, et pour moi, c'est... Enfin, bon, après, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne comprends absolument pas pourquoi ça n'a pas fait partie de la BO de Galen the Bus et que ça n'a pas fait partie de la BO de l'opéra ajouté sur Blood, par exemple. C'est, je trouve ça... Voilà, quoi. C'est-à-dire, nous, on a quand même vécu une petite victoire. Mais c'est très étrange de se retrouver face à lui et de lui faire comprendre que tout le monde adorait ce titre, quoi. C'est-à-dire que là, on était en train de quand même d'être face à quelqu'un à qui on avait monté le bourrichon pour lui dire que ce titre valait rien. Mais je crois que vous étiez, je parle sous ton contrôle, hein, Christophe, parce que j'ai lu ça dans le livre de Brice, mais vous étiez assez intimidé de lui demander de vous laisser On the Line pour le coffret. Ouais, on était intimidé de tout, on était des gamins, et on était face à la plus grande pop star du monde, et qui à chaque fois, on était intimidé de tout, c'est évident, je veux dire, mais on était culottés, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser une injustice comme ça passer, je veux dire, On the Line était une chanson qui nous a foudroyé de simplicité, de lyrisme, de gaieté, de tristesse. Il y a tout dans cette chanson. Il y a de la mélancolie, il y a de la joie. Ça ne pouvait pas rester comme ça, un titre sur une bande magnétique de film. Je veux dire, il fallait faire un truc autour de ça. Et on s'est dit, putain, c'est l'occasion de l'avoir. C'est l'occasion, c'est le coffret, quoi. Je veux dire, tu vois. Et puis, de toute manière, après, à la base, il y a quand même à la base, effectivement, l'idée d'enrichir le coffret. Donc, qu'est-ce qu'on allait mettre dans ce coffret? Parce que mettre la VHS et le programme de God, c'est bien, c'est sympa, mais ça reste un peu, tu vois. Voilà. Et donc tout de suite, on s'est dit, mais on doit lui demander, on doit réparer cette justice si on peut le faire. Si on peut le faire. Mais tu sais, moi, cette chanson m'a frustré, très longtemps parce que je me souviens que On the Line, j'ai appris son existence en 2002. Alors, autant dire qu'en 2002, j'étais totalement passé à côté du coffret de Ghost. Et donc, je me disais, ah, mais je pourrais jamais écouter On the Line. Tu sais, j'étais hyper frustré. Et quand ils avaient annoncé le box set The Ultimate Collection et que j'ai vu que On the Line était disponible, enfin allait être disponible dessus, j'étais comme un dingue. Et en plus, si je dis pas de bêtises, la version qui est présente sur The Ultimate Collection est un chouïa plus longue que la version qu'on a eue dans le box set de Ghost. T'as des cloches en plus. Ouais, il y a un côté un moment gospel où l'instru s'éteint pour entendre juste le gospel chanté On the Line. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est sublime. Et puis, en plus, alors attends juste Christophe, je parle sous le contrôle de Brice, mais je pense que c'est pas pour rien que tu as appelé ton association On the Line. Ah oui, un lien, mais c'est une autre histoire. C'est longue histoire, on risquerait de déborder sur le sujet, mais oui, forcément, il y a... Moi, je vais vous raconter à personne comment j'ai découvert On the Line. C'est-à-dire que moi, à l'époque, on sait que Michael est au sommet, hein, qu'on est dans la machine, hein, on sort Black and White, on fait le tour du monde avec lui, il est omniprésent partout, il est quand même. Et moi, à l'époque, j'étais très fan de Spike Lee et je traînais beaucoup au Virgin Megastore pour acheter les laserdiscs et tout ça, et je tombe sur le laserdisc de Get on the Bus. Le film n'était même pas sorti en France. Et je rentre chez moi et je me tape le film, mais sans sous-titres, le générique du début, c'est On the Line, c'est Michael. Je prends mon téléphone, je téléphone à Laurent, je lui dis, mais c'est quoi ce Beans? Personne n'est au courant que c'est lui qui chante le générique du début. Je retourne au Virgin Megastore pour acheter la BO du film, je rentre chez moi, j'ai même pas regardé. J'ai pris le CD, je l'ai payé à la caisse, je rentre chez moi, je mets le CD, pas d'On the Line. Et je recoupe de fil à Laurent pour lui dire, mais il n'y a même pas le titre sur l'album de le soundtrack du truc. Voilà comment. À l'époque. Mais t'en parles dans le livre de Brice de cette anecdote. Tu m'avais raconté, oui. Il y avait des trucs assez incohérents comme ça qui se passaient. Ah ouais.
Mais c'est vrai que c'est incompréhensible, tu vois, mais comme… bon, je reprends un exemple qui n'a rien à voir avec Blood. Parce que Spike Lee a vu le respect qu'il a pour Michael Jackson, très honnêtement. Ça pouvait pas être. Je pense que c'est vraiment Sony qui a bloqué les droits pour faire chier tout le monde. Quoi, non, mais comme tu sais, ils avaient bloqué à l'époque des Simpsons pour que Michael chante sur. Vous avez vu le portrait de Quincy Jones qui était passé sur Netflix à une époque. Oui. Il y a tout un passage sur l'élaboration de E.T. C'est une table de 50 avocats parce que Michael a dit je veux le faire sans demander rien à personne. C'est hallucinant. Moi, j'ai vu cette scène, je me suis dit, merde, c'est comme ça que ça se passait. C'est-à-dire qu'il a un coup de cœur, il adore le film, il fait le truc narratif pour les enfants, et il y a 50 avocats autour d'une table qui sont en train de négocier ça. Business is business. Ah, c'est horrible. Ouais. Ça. Et surtout, sur la table, tu as la moitié des mecs qui ne comprennent pas l'art, quoi. Entre l'artiste et le business, Christophe, t'es bien placé pour savoir que c'est pas le même domaine. Non. Et voilà. Oui, je suis bien placé, oui. Bah oui, voilà. Pas. En tout cas, le chat, sachez que si on a eu On the Line, si même on a eu le coffret Ghost, c'est grâce à l'équipe de Black and White. Donc, je pense qu'on peut dire merci à Laurent et Christophe pour ce joli coffret. Accidents de vie, mais encore une fois, voilà, quelle belle époque, il était là, et franchement, voilà. Pour moi, On the Line, c'est la petite victoire du coffret, quand même, voilà. C'est la petite justice rendue. En plus, tu sais, On the Line est presque un peu perdu dans le truc, quoi, parce que tu as un joli petit CD, tu as On the Line, et puis tu as deux remixes qui, moi, personnellement, pas du tout. Enfin, je les ai écoutés que je crois qu'une seule fois, mais je ne suis jamais retourné sur les remixes de ce CD. Et je me dis, purée, mais On the Line, c'est le rescapé, quoi. C'est le rescapé et c'est génial que vous ayez réussi à l'avoir pour ce coffret. Donc, vraiment. Ça a été très simple. On a eu affaire à lui directement. Puis on lui a dit la vérité. On lui a dit que les gens adoraient cette chanson et faudrait en parler avec Laurent, faudrait que tu invites Laurent pour en parler, comment ça s'est négocié, comment ça se produit. Avec grand plaisir, hein, Laurent, si tu nous entends, quand tu veux. Moi, je me souviens que, voilà, on l'a informé de ça et on lui a dit qu'on adorerait mettre la chanson dans le projet du coffret et tout ça. Et... Non, c'est une belle anecdote, c'est une belle histoire. C'est débloqué après, tout simplement, quoi, je veux dire. Je sais pas s'il y a eu une table de 50 avocats, si on a provoqué ça. non, mais là, c'est vrai que je comprends que tu le vives comme une très belle victoire. Alors, dernière chanson officielle de l'album de Blood on the Dance Floor, qui pour moi est un choix particulier, c'est la chanson Is It Scary? Parce que Is It Scary, alors autant elle est assez singulière, et même si elle se démarque de Ghost, elle sonne quand même beaucoup comme une espèce d'ébauche de Ghost. Bon, après, on a découvert la démo Family Things et on connaît maintenant un petit peu l'histoire et la genèse de la construction de la chanson Ghost et du film Ghost qui part un petit peu de tout ça. Le chat, je vais essayer de vous lire. Je vois qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent en même temps. Mais Is It Scary? Moi, j'adore cette introduction qu'on a de ce petit sample de beatbox là qui va amener les premières paroles de Ghost et pour finalement partir sur quelque chose de plus doux et donc ce qui va être Is It Scary et d'après un truc un peu plus frappant et pareil ce morceau là il a été choisi donc pour l'album Blood, il a été aussi après intégré dans le court métrage Ghost au moment où il danse en squelette, et ça aussi je l'ai découvert dans ton livre Brice, c'est que les ingé-sons se sont un peu tiré les cheveux pour réussir à façonner Is It Scary pour qu'elle colle à la chorégraphie du film. C'est tout bad, c'était tout bad à la base. Alors pour contextualiser le truc, c'est qu'en fait ce qu'il faut se rappeler, c'est que Ghost avait été diffusé en direct. En fait, il a été projeté à Cannes pendant le festival, et pour la seule fois de l'histoire du festival, et ça ne s'est jamais refait, c'était incroyable, c'est que le film passait en même temps sur Canal+. Et c'était une semaine avant la sortie de l'album, si tu veux. Donc, j'ai découvert Ghost et une partie d'Is It Scary avant la sortie de l'album, une semaine avant, en fait. Donc, ça m'avait déjà, du coup, j'avais enregistré sur VHS, forcément, tu peux te douter, comme à l'époque où on faisait. Donc, du coup, j'arrêtais pas de me passer le film, et j'arrêtais pas de me passer les chansons, le petit extrait du squelette, pendant une semaine avant que l'album sorte, pour me faire tenir le coup, entre guillemets, quoi, même si j'avais, voilà. Donc, ça avait déjà un bon aperçu du disque. Et
pour revenir à tes questions, oui, en fait, c'était Brad qui avait retravaillé sur le film à ce moment-là, en fait, parce que en fait, le film était centré sur Too Bad. En fait, tout le film, c'était Too Bad, sauf que tu avais la version intérieure de Ghost, la version Riley, qui avait été travaillée. Il est parti. Bah, c'est pas grave, je vais continuer. Peut-être pour ceux qui nous écoutent. Donc, en fait. Ça y est, tu l'as découragé. Ouais. Ah ouais, il est parti. Non. Il avait dit qu'il partait se coucher avant nous. Hein. Donc, après. Bah, attends, on va peut-être continuer. Hein. Même s'il n'est pas là, hein. On fait tous les deux. Hein. Non, mais il y a les gens qui nous regardent. Bah ouais, en direct, on va continuer. Non, on va continuer, on va assurer le direct. Et donc, voilà, il fallait synchroniser la chorégraphie du squelette par rapport à la rythmique de Too Bad sur les Iscaris. C'est pour ça que les Iscaris est un peu plus lente quand tu la découvres sur Blood and Dance Floor. Voilà. Pour répondre à la question. Alors après, si vous avez des commentaires, on va peut-être essayer de répondre en direct, hein, et réagir, parce que si l'animateur est parti. Ah, dis donc, ouais. Ouais. Je suis un petit peu avancé gage, les bébés. Ouais, vas-y. Hein, s'il y a des bonjours à dire, allez-y. C'est mon le moment. Coco, mon Vincent, mon Ségage, je vous ai vu passer. Ah, j'ai vu Cédric passer, il me semble, j'ai vu encore. J'ai pas vu tout le monde. Ah, si, bah, j'ai vu un commentaire de Cédric qui commentait sur le chien. si... Sinon. Bah attends, il va peut-être revenir à Greg quand même, hein, parce que sinon bah, je sais pas. Bah ouais. Hein. Bah ouais, surtout qu'ils Iscaris, bah je sais pas, tu veux parler des Iscaris, Christophe, de ton côté? Moi j'ai pas de souvenir. Bah alors. Une chanson que j'écoute en bas. Bah, alors c'était fait pour History en 93. Mm. Michael se rend à Philadelphie. À Minneapolis, pardon, Philadelphie, non, je pensais à Rocky Balboa, non, je pensais à Minneapolis, le fief de Jimmy James et Terry Lewis. Et Stallone, non, mais franchement. Non, ouais, non, mais fallait que je le place, celle-là, tu vois. Donc, Michael sort en 93 à Minneapolis et il commence à travailler avec Jimmy Lewis parce qu'il bossait avec Janet depuis longtemps, puis il avait envie de bosser avec eux. Donc, ça a commencé avec ce titre-là, si tu veux. Et derrière. Alors, Michael fait écouter la version de Riley de Ghost pour leur donner un aperçu. Je voudrais une chanson de la même thématique. Et c'est ce qui a donné Is It Scary, qui était fini pendant, qui était pratiquement finalisé. Ils l'ont pas retouché, hein, ils l'ont pas retravaillé. La chanson était telle quelle pour les sessions History, finalisée telle qu'on l'a entendue sur Blood. Voilà, ils l'ont pas retravaillé. Mais bon, après, ça n'a pas été sorti. Alors, c'était pour la version intérieure de Ghost, qui était de 93, qui est pas sortie pour les raisons qu'on connaît tous. Mais voilà ce qu'on peut dire sur ce morceau. J'espère que Greg va revenir parce que je suis pas l'animateur de cette émission, n'est-ce pas? Il peut revenir à son propre stream ou Bah oui, je pense quand même parce que c'est quand même. Il reconnecte un truc. Je sais pas du tout pourquoi ça a planté, mais bon, il doit quand même bien pouvoir revenir dans son truc, oui, parce que nous on est juste invités, nous on maîtrise que dalle là. Assise. On est dans la merde. Après, si vous avez des questions qui défilent, peut-être que s'il y a une nouvelle question, elle va apparaître sur l'écran. Oui, non, mais c'est lui qui maîtrise les questions, là, il y en a. Ouais, non, mais normalement, s'il y a des nouveaux qui commentent, ça doit effacer le précédent et ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions, posez-les avant qu'ils reviennent et on peut essayer d'y répondre directement pour interagir avec vous le temps que. Mais on ne verra pas les questions défiler. Parce... Ah, il arrive, il revient. Je suis désolé, les amis, j'ai eu un gros souci Internet. Ah, pardon. On t'entend, on ne te voit pas. Par contre, du coup, j'ai expliqué les Iscaris aux gens. Les jeunesses et le train. Voilà. Super, merci. Ouais, c'est bon. De rien. Excusez-moi. De rien. Je reviens. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Non, mais je suis un gros bip. J'avais oublié de mettre mon téléphone en charge et c'est mon téléphone qui me sert de modem. Donc voilà, bravo Greg pour la technique. Bon, okay, ouais. Les joies du direct. Non, mais super, Brice. Je. Avec plaisir. Non, rien, je regarderai du coup mon propre replay pour voir ce que tu as dit, ouais, sur Is It Scary. Ouais, non, mais j'ai les premiers morceaux par Jimmy Lewis. Voyage à Minneapolis. Chanson finalisée pour History, qui n'a pas été retravaillée pour Blood, qui aura pu sortir tel quel sur History. Quoi. Voilà, pour faire vite. Ah, t'as pas changé de pull, c'est bien. Ouais, bien, c'est bien. Ok. Ouais, parfait. Non. Et t'as vu, il est toujours à l'endroit. On a eu un moment de doute, on s'est dit, est-ce qu'on doit nous aussi se déconnecter? Non, mais j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur que ça coupe. Non, on était là, on a continué. On a... Bon, bah écoutez, je lis un petit peu le chat en même temps, les garçons. Alors, merci, Monsieur Boulmé, pour votre travail et notamment pour votre témoignage dans votre livre qui m'a beaucoup ému lors de sa lecture. Alors, Dimitri, il faut apprendre qu'on ne vous voit pas, Monsieur Boulmé, parce que. Boulmé, pardon, parce que il se sent après vieil homme. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, c'est quoi?
On te dit merci, Christophe. On te dit merci pour ton travail. Oui, et j'ai dit merci aussi. C'est très gentil, c'est super gentil. Alors, Célestine qui nous dit « Is it scary ?» a un côté Père Castor que j'aime beaucoup. Les couplets sont vraiment comptés, le ton de sa voix qui colle bien dans la musique. Et, mais moi, tu sais que pour « Is it scary ?» Franchement, moi, j'adore la démo Family Things. Donc, qui n'a pas été édité, mais c'est vrai que j'aurais adoré avoir Family Things qui fasse partie aussi d'un coffret Ghost ou autre. Qui aurait eu d'ailleurs sa place plutôt que les deux autres mix en plus de On the Line. D'accord. C'est quoi à l'époque déjà à l'époque on savait pas. Moi en tout cas je parle pour moi. Moi je savais pas que c'était un truc inabouti. On a découvert ça que très récemment. Hein, je veux dire. Et je pense qu'à l'époque ça aurait dû être dans un fatras juridique qui aurait rendu les choses un petit peu compliquées quoi. Si c'était un truc et issu d'une production qui a capoté à cause des procès, etc. machin, je pense que ça aurait été très compliqué quand même de le sortir. Je pense que maintenant ça fuite parce que bah, je crois que j'ai jamais vu un artiste aussi dilapidé sur Internet que Michael Jackson. Donc maintenant on a tout, hein, on a les instrus, on a les acapella, on a les machins, les multipistes, les trucs, enfin tout le monde a tout ce qu'il veut. Mais à l'époque, je pense pas que ça aurait pu aboutir à quelque chose, non. Voilà. Oui, bah, je comprends. C'est évident. C'est évident et heureusement que je dirais on avait la ténacité de Michael qui voulait aller au bout de ce projet et donc qui nous a donné ce qu'on a eu. Alors, on va pas, je vous rassure le chat, je vous rassure les garçons, on va pas évoquer tous les remixes. Non, merci. Parce que, alors moi j'ai pris le temps de réécouter quand même j'ai pris le temps de réécouter les remixes cet après-midi parce que je voulais quand même les avoir un peu frais dans ma tête. Pour aborder live, et donc on a évoqué du coup Scream qui a un remix un petit peu particulier d'ailleurs qui ne s'appelle pas Scream mais Scream Louder, qui était déjà sur les maxi avant, hein, pour connaître préciser hein. En fait, et ce serait plus du coup une version alternative, c'est ça que dire, hein. Vous connaissez sur les maxi CD, ouais, c'est vrai, et attendez, ça bloque chez moi, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde entend ça, c'est bon. Ça bug un peu chez Greg. Mais bon, t'entends, t'inquiète pas. Oui, bloque un peu aussi, ouais. Mais moi, c'est mon écran là, qui commençait à faire un peu. Non, j'ai l'impression qu'il y a un décalage de son. Ouais, c'est peut-être... Okay. Ça marche. Et je repensais, moi il y a un remix que j'arrive à apprécier quand même dans ce lot-là, c'est le remix d'History. C'est vrai que le remix d'History, je le trouve pas forcément dégueu et en plus, il avait même été accompagné d'un espèce de clip non, ouais. Officiel, si, non, c'est en mode officiel. Discothèque qui ressemblait un peu des extraits de je me souviens que le remix de à peu près le seul remix sur arrive à revenir sur Blood. Est-ce que vous, je vais vous éditer de la entier remix sur lesquels vous revenir qui sont là, ta collection, elle est vraiment pourrie. Alors, j'ai cru comprendre que tu voulais parler des remixes qu'on appréciait. Alors, je vais peut-être préciser que le clip que tu évoques pour le remix History est officiel, sorti par la maison de disques, qui passait sur les chaînes sur MTV, MCM. Et d'ailleurs, on va saluer Christophe qui a réalisé la pochette du single, parce que le remix est sorti en single. Ah oui. Avec une photo de Christophe. Oui, quand même, tu n'as pas renié ton travail, quand même. Pas de ça entre nous. Et voilà. Et donc, il y a bien un clip officiel, c'est tout ce qui est plus officiel. Et le single est officiel, voilà. Donc, c'est accompagné History et Ghost, oui, un single, oui, avec deux pochettes alternatives. Ton visuel de Ghost et la photo du concert Amsterdam où tu étais sur la tour, comme tu l'as si bien raconté. Je ne l'ai pas sous la main. Alors. Ah, c'est pas. Non, mais on connaît, t'inquiète pas. Vous m'entendez mieux là, les garçons, ça, le chat, ça va, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est mieux là, c'est mieux. C'est mieux, Greg, ouais, c'est bon. Bah,
C'est bon, je ne touche plus à rien. Oui, donc, alors, effectivement, c'est un clip officiel. C'est vrai que j'ai tendance à dire non officiel parce que. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Il n'y a rien d'officiel. Ce n'est pas une info, je le précise encore une fois. J'ai toujours eu le sentiment, tu vois, que c'est typiquement le genre de clip que. Qui n'a pas été fait forcément avec Michael, qui a été fait comme Non, c'est la maison disque qui veut faire un clip, qui veut faire un single. Il est encore en tournée, il n'a pas le temps. Savoir, le single sort pendant au mois d'août 97. La tournée est encore en cours et il n'a pas le temps de s'investir, surtout pour un remix. Il n'a quand même pas fait un clip d'un remix. Donc, c'est des images d'archives avec le concept. Pas le concept de la boîte de nuit futuriste et tout ça, ça nous projetait un peu. C'est limite. C'est limite grec parce que je m'en souviens absolument plus que ce clip. C'est un peu ça. Princesse Thriller demande où est-ce qu'on peut voir ce fameux clip. YouTube, remix, ça va vous rappeler un peu le clip ce qu'avait fait pour Behind the Mask. Ça ressemble énormément à ce qu'ils avaient fait pour le clip. C'est le même concept. Il était vivant, mais. C'est un clip posthume avant l'heure, il n'est pas présent et tu as l'impression que c'est un clip futuriste dans on ne sait pas quand, en boîte dans 100 ans. C'est un peu ça, c'est une femme qui met un casque de réalité virtuelle et qui se retrouve projetée dans une discothèque où on passe les titres de Michael. C'était il y a 25 ans, hein, donc vous voyez un peu le contexte. Mais sur YouTube, Michael, tu ne devrais pas pouvoir le trouver, Princess Thriller. Oui, mais c'est il passait sur les chaînes musicales. Moi, je l'ai vu passer en boucle pendant tout le mois d'août 97. Je m'en souviens très bien. Moi, je l'avais vu sur RFM TV. Je me souviens qu'il l'avait passé sur RFM TV, ce clip. Mais c'est pas. Je pense pas qu'aujourd'hui tu le retrouveras dans un produit de Michael. Non. On va pas attaquer l'estate aujourd'hui parce que c'est pas le propos. Non, c'est pas le problème. Mais voilà. Je pense qu'eux, ils sont même pas au courant que le clip existe non plus. Donc. C'est possible. Oh oui, c'est fort probable. Mais voilà. Eh bien, écoutez, on est à 1h25 de live. On va pouvoir conclure tout ça tranquillement, les garçons. Donc, je pense qu'on a quand même répondu plus d'une fois à la question, mais je suis quand même obligé de la poser pour clôturer un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut considérer que Blood on the Dance Floor est un album à part entière ou que c'est une simple extension à History? Alors, moi, je vais répondre que c'est un contexte heureux, 97. En plus, il devient père au mois d'avril, juste avant la sortie de l'album. Voilà, c'est sa vie privée, mais il y a quand même un lien pour montrer un peu le contexte de l'époque où il se passait plein de choses. Où tu achetais l'album un mois plus tard, tu allais avoir le History Tour, tu étais heureux comme un pape. Moi, j'ai acheté Blood on the Floor. Je crois que c'est ma sortie la plus heureuse quand j'ai acheté un album de Michael. C'est peut-être mon plus beau souvenir par rapport au contexte. Voilà. Après, pour moi, c'est un EP, oui, c'est un bonus. Il ne faut pas le considérer comme un album. C'est un cadeau pour les fans. Et c'était génial. On s'est régalé. Voilà. Mais bon. Ok, merci beaucoup, Brice. Et toi, Christophe? Moi, j'ai déjà répondu. Hein. Pour moi, c'est un ovni, mais ça reste un album. Il n'y a pas à négocier. Ça reste un album avec ses particularités, son histoire, sa manière d'être sorti, sa manière d'être conçu. Ça reste quand même un album, c'est pas un truc bricolé au marché opus, c'est sous son label, avec ses chansons. Voilà, après on peut lui trouver plein de particularités à cet ovni, mais c'est pas la première fois qu'il nous faisait un ovni dans sa carrière, donc je le prends comme un album avec son intégrité, ses particularités. Voilà. History, c'est la plus belle promo pour moi de toute sa carrière. La plus belle promo, c'est History. Enfin, après, meilleur album, ça se discute. On pourra toujours dire c'est Thriller. Hein. Voilà, mais par rapport au contexte et les meilleurs souvenirs, Black and White, je ne dis pas ça parce qu'il y a Christophe. Hein, vous savez bien. Un petit peu quand même. Ouais, mais bon, quand même. Voilà, moi, c'est une période la plus heureuse, voilà, forcément. Et moi donc C'est ça que. Merci de nous avoir invités pour se parler de ce sujet spécial parce que. Oui, je suis super content de vous avoir accueilli et je trouvais vraiment que vous étiez les personnes les plus adaptées pour parler de cet album. Alors moi aussi, du coup, je vais répondre à cette question. Considéré comme un album, pour moi, c'est un peu. Tu sais, c'est littéralement l'extension pack de History. Et pour moi, Blood on the Dance Floor, il se démarque vraiment sur une chose au-delà des 5 titres qui sont présents mais qui ne suffisent pas pour faire un album à part entière. C'est, je vous l'avais déjà évoqué, c'est la pochette de l'album. Et pour moi, la
pochette de l'album Blood est la seule vraie chose qui s'émancipe de History, parce qu'on a History in the Mix quand même qui est très discret sur la pochette. Alors, avec un logo Blood on the Dance Floor assez singulier, Michael dans sa tenue du clip de Blood sur le carrelage de Ghost. Et moi, je m'étais toujours dit que si on avait vraiment, alors ça, c'est une réflexion très, très personnelle, mais je m'étais toujours dit que si on avait envisagé vraiment Blood on the Dance Floor uniquement comme une extension d'History, pourquoi pas avoir choisi comme pochette la pochette qu'on a eue pour le History volume 2 avec la statue en or sur fond bleu qui aurait pu faire le fameux book 2. Mais ça, encore une fois, c'est des réflexions très personnelles. Hein. Je ne suis pas dans une réflexion marketing, marketeux et tout ce que tu veux. Mais pour moi, ouais, son émancipation va sur sa pochette. Mais après, pour le reste, je rejoins totalement ce que vous dites et qu'on est plus sur un EP qu'un LP, mais que Blood on the Dance Floor a sa place, je dirais, dans l'œuvre complète, en tout cas, de Michael Jackson. Faut pas renier ses intérêts. Qu'on aime ou pas, quoi qu'il arrive, oui, c'est voilà. Je pense que c'est pittoresque de toute son œuvre. Je veux dire, il y a des gens qui aimeront plus Dangerous que Bad. C'est marrant parce que souvent dans les questions qu'on me pose, quel est mon titre préféré? Si je sors Bad, je me fais trucider du regard. J'adore ça. Moi, Bad, c'est un truc qui m'a, quand j'ai découvert, qui m'a en 83, qui m'a stimulé, mais gravissime, et qui m'a plus quitté. Et voilà. Et on peut négocier avec les choix de telle chose, mais je trouve que Blood, dans sa particularité, reste complètement entier. Et voilà quoi. T'as évoqué la peinture. Alors, la peinture de l'album, il faut savoir que c'est une photo issue du tournage du clip. Et c'est Bill Nation qui a pris la photo. Il a perdu, je crois. Alors oui, parce que figure-toi que je suis rentré en contact avec Bill Nation. Parce qu'en fait, pour mon livre, Book on Dance Floor, je voulais la photo, la photo originale, le cliché qui a servi pour illustrer la pochette. Et c'est pour ça que j'ai contacté. Oui. Vas-y, continue, Brice. Ouais, j'avais contacté le photographe, parce qu'en fait, c'est Will Wilson, le peintre, qui a eu la consigne qui a eu des consignes de Michael. Hein, dire, Michael voulait tout ce que vous voyez sur la pochette, c'est bien des consignes de Michael, et c'est bien la photo issue du clip. Hein, on a beaucoup parlé des gourmettes qu'on a filé à des chaînes, mais non, en fait, c'est Michael qui portait des gourmettes. Sur le tournage du clip, comme vous voyez dans le clip. Et donc, en fait, tout a été dessiné, tout a été peint tel quel que la photo a été prise, en fait. Hein. J'ai voulu acheter cette photo. Malheureusement, elle est dans les archives, on ne sait pas où, entre de l'Estate ou Sony, et si le photographe ne les a plus. Sinon, j'aurais voulu l'avoir, mais malheureusement, elle était... Comme beaucoup de documents, oui, comme beaucoup de photographes. Oui, mais le photographe que tu as croisé sur le tournage de Stranger in Moscow, justement. C'était mon partenaire sur Stranger. Oui, c'est lui que j'ai photographié à côté de... D'Adrien Grant, oui. Adrien Grant, là, oui. Exact, hein, oui, pour l'anecdote. Très, très sympa, qui m'a vraiment laissé sa place tout le temps. Enfin, je veux dire, vraiment adorable. Mais voilà, ouais. Oui. Comme beaucoup d'entre eux, quand tu étais l'employé de MJJ Productions... tes clichés t'appartenaient plus quoi. Donc c'est dans les coffres et on sait c'est pas ça. On sait pas où c'est, mais voilà, pour la petite anecdote voilà. Merci beaucoup Brice pour cette anecdote. Du coup on va conclure, donc on est tous d'accord pour dire que la meilleure œuvre de Michael c'est Got You Bizarre. Très belle chanson, affaire de goût, comme je disais tout à l'heure. Alors, merci beaucoup les garçons. Alors, je le rappelle, donc Brice, donc toi, ton livre Book on the Dance Floor. Vraiment, si vous êtes passé à côté du livre, je vous conseille fortement de vous le procurer si vous voulez plus d'infos sur l'album, parce que Brice a interviewé bon nombre de collaborateurs qui ont travaillé sur l'album. Il parle aussi de son attrait personnel pour Michael. Tu parles de ce 25 juin 97, de ton premier concert au History Tour. Et donc, on est vraiment entre le bouquin d'archives et le partage d'un fan. Et c'est vraiment de la lecture formidable pour les passionnés. Merci. Et évidemment, hop, je le prends ici.
Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce live. Et donc, ton livre qui est disponible où vous pouvez retrouver tout le travail de Christophe avec Michael, donc toutes ses photos, ses œuvres. Et puis, Christophe parle un peu de son parcours et de cette aventure incroyable qu'il a eu l'honneur de vivre avec Michael Jackson. Donc voilà, vous avez peut-être une actualité à partager, les garçons ? Ah, pour l'instant, comme dirait Schwarzenegger. Ouais. J'ai le droit de rien dire pour le moment. Ouais. Et moi, pour l'instant, je me repose. Merci. Pour l'instant, tu te reposes. On n'a pas de Book of Invincible qui arrive. Pas pour l'instant. Ah, mais ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose, on le partagera avec plaisir. Ça marche. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, la prochaine vidéo sur Michael sortira vendredi prochain, donc le 18 novembre. Donc, on clôturera les vidéos que j'ai faites sur la discographie des Jackson. Donc, la vidéo portera sur l'album des Jackson sorti en 76 et Going Places sorti en 77. Et après, j'ai d'autres projets vidéo qui sont pour l'instant à l'écriture, qui ne sont pas encore tournés, mais évidemment, je ferai en sorte de garder le même rythme. Voilà. Bah, en tout cas, merci à tous les deux. J'ai passé un super moment. Merci à vous, le chat aussi, pour votre participation. Merci à tous pour les commentaires. C'était sympa de vous dire en même temps. J'ai pas tout vu défiler. De toute façon, le replay sera évidemment disponible sur la chaîne. Et pour ceux qui regarderaient le live en replay, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'album Blood on the Dance Floor. Donc, merci les garçons. J'espère qu'on se retrouvera forcément pour un prochain live. Je vous invite avec plaisir. Pas de souci. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, vous restez connectés sur les actus sur Insta. Allez, à bientôt tout le monde. Salut Christophe, merci. Salut Brice. Salut tout le monde. Ciao, ciao.